des seigneurs, with the shouts of the source, avec l'acclamation de l'assemblée, with the applause of the assembly, Jésus est assis sur le trône. Jesus is seated on the throne. Quelqu'un lise pour nous Isaïe 59, versets 1 à 9. Someone should read for us Isaiah 59, verse 1 to 9. Si tu es un invité, lève la main. If you are an invitee, raise your hand. Les invités, levez les mains. Let our guests lift up their hands, please. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le but pour lequel il vous a fait venir s'accomplisse dans vos vies. May the purpose for which he brought you here be accomplished fully. Que ses desseins pour vous soient accomplis. May his purposes for you be accomplished. Quelle que soit l'adversité. Whatever be the adversity. Qu'il écrase vos ennemis. May he crush your enemies. Qu'il vous ouvre la porte de son royaume. May he open the doors of his kingdom to you. Amen. Amen. Ésaïe 59, verset 1 à 9. On me dit qu'il y avait d'autres invités là-bas. Oui, vous êtes exaucés. La bénédiction est sur vous. You have been answered. Blessings are upon you. Oui, vas-y. Ésaïe 59, verset 1 à 9. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Ceux qui mangent de leurs œufs meurent. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang et le sang. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Amen. Ce passage, this passage, explique pourquoi Dieu n'exauce pas les prières de certaines personnes. Explains why God does not answer the prayers of some people. Il est rare, it is rare, de trouver les gens qui ne prient jamais, qui n'ont jamais prié. To find people who don't pray, who have never prayed. Chacun, everyone, d'une manière ou d'une autre, in one way or another, a élevé la voix vers Dieu. Has lifted up his voice to God. Face aux problèmes de la vie. Before the problems of life. Face aux obstacles. Before obstacles. Face à l'adversité des hommes et des mauvais esprits. Before the adversity of men and wicked spirits. Face aux problèmes conjoncturels. Before daily problems. C'est-à-dire des situations qui dépendent de comment la société vit. That is, situations that depend on how the society lives. Chacun veut que Dieu le soutienne. Everyone wants that God should back him. Chacun implore la grâce de Dieu. Everyone calls on the grace of God. Quand ça chauffe, when it gets hot, même les incrédules, even unbelievers, lâchent, oh Dieu. They cry out, oh God. Il est dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. He says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Même ceux qui prétendent être athées, even those who pretend to be athées, quand ça chauffe, when it gets hot, j'entends, you hear, oh Dieu, oh God. Après, ils regardent à gauche, à droite, si les gens ont entendu.
And then after that, they look left and right to see if people heard them. Ça veut dire que Dieu existe. It means that God exists. Il existe. He exists. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. La Bible dit que les insensés disent, il n'existe pas de Dieu. The Bible says that a fool says in his heart that there is no God. Tu rencontres quelqu'un. If you meet someone qui te dit que Dieu n'existe pas. Who tells you that God doesn't exist? C'est un fou, c'est un insensé. He's a fool. He's unwise. Ne l'écoute pas. Do not listen to him. Ne l'écoute pas. Do not listen to him. Quand ça chauffe, when it gets hot, d'une manière inconsciente, in an unconscious way, on crie à Dieu. You cry out to God. Dans chaque religion, in every religion, chacun te dit, each one tells you, je veux prier. I will pray. Je veux prier. I will pray. Mais ce qu'on a remarqué, but what we realize, c'est qu'il y a des prières sans réponse. Is that there are prayers that don't get an answer. Des prières sans réponse. There are prayers that are unanswered. Et c'est ça qui trouble souvent. And that is what is disturbing. Quelqu'un qui va à l'église. Someone who goes to church. Il est baptisé. He's baptized. Ailleurs même il peut être confirmé. And in some places even confirmed. Ou alors consacré. Or consecrated. En fait, tous les mots qu'on peut utiliser pour montrer que la personne est sous l'autorité de Dieu. In fact, all of the words that can be used to show that the person is under God's authority. Et la personne fait toutes ces choses. And the person does all of these things. Et un silence total règne. And total silence reigns. Où est Dieu? Where is God? Pourquoi n'exauce-t-il pas? Why doesn't he answer? Où est-il? Where is he? Entend-il mes cris? Does he hear my cry? Voit-il ma souffrance? Does he see my suffering? Pourquoi contemple-t-il mes ennemis? Why does he look at my enemies? Pourquoi permet-il que le sorcier domine sur moi? Why does he permit that witches and wizards should dominate over me? J'avais rencontré un jeune homme. I met a young man. Il était très découragé. He was very discouraged. Il m'a raconté sa misère. He shared with me his misery. Ce jeune homme m'a dit, that young man told me, je ne comprends pas. I don't understand. La religion, il n'a pas dit la religion. Il dit, je suis en Christ depuis 15 ans. He said, I'm in Christ for 15 years. Mais ce que mon père veut, but what my father wants, c'est ce qui m'arrive. Is what happens to me. Lui ne comprend pas ça. He doesn't understand it. Un chrétien, a Christian, enfoui, bewitched, bloqué, blocked, égaré, straying. Les autres ont leur diplôme en un an. Toi, tu as ta part, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Some people get their certificates in 1 year. You have yours after 2, 3, 4 years. Tu as même tenté, tu as fui l'école. You tried and you even ran away from school. Tu es là, une force t'attire vers l'alcool. Tu dis c'est fini. Mais c'est comme si on t'attache, on tire et on ouvre ta bouche, on verse l'alcool dedans. There's a force that draws you towards alcohol. You say it's finished. But it's like they pull you and open your mouth and pour alcohol into it. Tu pleures quand tu es seul. You cry when you are alone. Pour certains, même ils n'ont plus de larmes, le kutuku a tout séché. For some people, they don't even have tears anymore. Kutuku has dried up everything. La gorge a séché, les yeux ont séché. The throat is dried up. The eyes have dried up. Et l'estomac est dans le feu. And your belly is on fire. Tu veux arrêter. You want to stop. Mais tu ne peux pas. But you cannot. Tu veux arrêter. You want to stop. Mais tu ne peux pas. But you are unable. Tu vois des jeunes filles. You see young girls. Le premier garçon vient et la trompe. The first boy comes and deceives her. Le deuxième vient. The second comes. Il la trompe. And this is her. Il dit c'est fini. Les hommes sont méchants. She says it's over. Men are wicked. Le troisième vient. The third comes. Elle tombe. And she falls. Il dit c'est la dernière fois. And she says it's the last time. La quatrième fois. The fourth time. Elle tombe. She falls. Elle commence à maudire Dieu. And then she starts cursing God. Que Dieu ne l'aime pas. That God doesn't love non, her. Dieu t'aime. Yes, God loves you. Le problème est ailleurs. The problem is elsewhere. Et c'est ce que le passage ici veut te montrer. And that is what this passage wants to show you. Relis le verset 1. Read verse 1 again. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La parole dit, the word says,
Dieu a vu tes pensées. That God has seen your thoughts. Dieu a entendu ce que tu dis. God has heard what you say. Et il te répond. And he's answering il dit you. Non. He says non. No. Ma main n'est pas courte. My hand is not short. Et mes oreilles ne sont pas dures. And my ears are not blocked. Je peux entendre. I can hear. Et je peux agir. And I can act. Mais tu as un problème. But you have a problem. Dieu te dit. God is telling you. Non. No. Ce que tu penses de moi n'est pas vrai. Now what you think about me is not correct. Tu penses que je n'entends pas. You think that I don't hear. Et tu penses que je ne peux pas agir. And you think that I cannot Dieu act. Te dit. God is telling you. J'entends. I hear. Et je peux agir. And I can act. J'entends. I can, je I, peux I, agir. And I can act. Et il te dit. Je veux agir. I want to act. Je veux agir. I want to act. Mais il y a un problème. But there's a problem. Entre toi et moi. Between you and me. Lis la suite. Read what follows. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu ne te cache rien. God is hiding nothing from you. Il commence, il dit un. He says one. Ma main peut arriver là où, même si tu es dans l'abîme. He says my hand. Je peux envoyer ma main, même si dans des milliers de kilomètres de profondeur, je peux t'enlever de là. He says even if you are in the abyss, even if you are hundreds of kilometers below, my hand can get there. Il dit mon oreille là. He says my ear. Même les battements de ton cœur, j'entends. Even your heartbeat, I can hear them. Mais. But. Ton péché. Your sin a mis une séparation. Has put a barrier entre moi et toi. Between you and me. Ton péché. Your sin a mis un mur. Has put a wall. Il dit, j'ai caché ma face. He said, I've hidden my face. Je ne veux pas que tu me trouves. I don't want you to find me. Parce que tu vis dans le péché. Because you live in sin. Les mains, les doigts, le sang, les crimes, les avortements. Your hand, your fingers, blood, abortions. Ceux qui n'ont pas tué physiquement souhaitent même la mort de tous les ennemis. Those who have not killed physically even wish for the death of their enemies. Quand on annonce des nouvelles, when you hear news, ils souhaitent qu'on dise que tel est mort. They wish to hear that such a person has died. Ils le souhaitent. You wish. Tu es meurtrier. You are a murderer. Tu as déjà tué. You have already killed. Ils sont pleins d'adultère. They are full of adultery. Il y en a qui pratiquent physiquement. There are others who practice physically. Les autres c'est leurs pensées. But leurs for pensées. Others it's their thoughts. Leurs pensées. Their thoughts. Quand un homme passe, when a man goes by, les yeux, ses yeux spirituels déshabillent l'homme, son imagination et déshabillent l'homme. The spiritual eyes take off the dresses of the man. Non, pas les yeux spirituels, les yeux de son imagination. That is the eyes of her imagination undress the man. Quand une femme passe, when a lady passes by, tu es là. You are there and you look. La convoitise. Lost. Tu es dedans. You are inside. Ça barre la route. It blocks the way. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Vous savez. You know, il y a beaucoup de religions. There are many religions. Mais Dieu n'a pas laissé de religion dans le monde. But God did not leave a religion in the world. Je vous dis la vérité. I'm telling you the Allez truth. Vérifier. Go and verify. Dieu a laissé son fils. God left his son. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il a dit. He said. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This is my beloved son. En qui j'ai mis toute mon affection. In whom I am well pleased. Écoutez-le. Listen to him. Maintenant, les gens ont leur religion. Now people have their religions. Les catholiques ont leur part. Catholics have theirs. Ils font ce qu'ils veulent. They do what they want. Les protestants ont leur part. Protestants have theirs. Chacun fait ce qu'il veut. Everyone does what he wants. Au point où les gens sont embrouillés. In such a way that people are confused. On ne sait plus qui est dans la vérité. They don't know who is telling the truth. La vérité n'est pas loin. The truth is not far. Pose-toi la question. Ask yourself. Qui? Who? Par qui a barré la route par ses péchés à Dieu? Who blocked the way to God by his sins? Voilà le vrai. That is the true problem. Est-ce que je me masturbe? Do I masturbate myself? Ça n'a rien à voir avec. Si tu es catholique masturbateur, tu iras à l'enfer. It doesn't have to do with your religion. If you are a Catholic and you are a masturbator, you go to hell. Aris masturbateur enfer. You are a masturbator and you are Aris, you go to hell. Vous avez vu? Dieu n'a pas accusé. Dieu n'a pas dit que tes voisins sont méchants. Il dit, vous avez barré la route par vos péchés. He did not say your neighbors are wicked. He says you have blocked the way
by your sins. Dieu ne nous enseigne pas à accuser les autres. God does not teach us to accuse others. Dieu t'enseigne à t'examiner. God teaches you to examine yourself. Dit vos crimes. He says your sins. Vos crimes. Your crimes. Vous séparent de moi. Separate you from me. Vos crimes. Your crimes. Il n'a même pas parlé de ton père. He did not even talk about your il father. Il ne dit pas que ta mère est sorcière. He did not say your il mother dit is a witch. He says your les crimes. Les mensonges. Your lies. Quand tu mens là. When you lie. Ça barre la route. It blocks the way. Je dis la vérité. I tell you the truth. Personne ne te trompe. Let no one deceive you. Quelqu'un va te tromper là. Je suis prophète. Je veux prophétiser sur toi. Someone will deceive you and say, "I'm a prophet." Ça, over you. C'est cadeau. Give him money. Ton that's vrai a gift. Problème. Your true problem. Tu n'as pas besoin de prophète. You don't need a prophet. Tu dois t'examiner. You must examine yourself. Est-ce que je vis dans le mensonge? Am I living in lies? Si tu vis dans le mensonge, if you live in lies, Dieu ne t'exauce pas. God will not answer si you. Si tu meurs, if you die, même si on fait la fête, even if the feast, derrière toi. After you go, même si on fait des prières, even if they pray, quand tu meurs sans Jésus, when you die without Jesus, tu vas dans l'enfer, you go to hell, dans le lac de feu, you go to the lake of fire. Il est dit que l'homme doit vivre une fois. That man lives once. Il meurt. When he dies, après ça, il est jugé. After that, he's judged. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. It is your sins that hide your face from ce me. Ce sont vos crimes qui m'empêchent de vous écouter. It is your sins that stop me from listening il to you. Il faut retenir ça. Il faut retenir ça. You should keep this carefully. Il faut le retenir. You should remember it. Ceux qui seront bénis ce soir. Those who will be blessed this evening. Sont ceux-là. Are those qui vont dire à Jésus. Who tell Jesus. Viens dans ma vie. Come into my life. Viens dans ma vie. Come into my life. Entre dans mon cœur. Get into my heart. Viens, viens, viens. Come, come, come. Viens. Come. Lis la suite. Read what follows. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines. Vous savez ça, on rencontre ça partout. You know, this is said everywhere. Tu peux vivre avec des gens. You can live with people. Tu es paresseux. You are lazy. Quand ils veulent te corriger. When they want to correct you. Tu dis on ne m'aime pas. You say they don't love me. Les gens ne m'aiment pas. People don't love me. On appelle ça tu te plains avec injustice. He said you are complaining over injustice. Tes plaintes ne sont pas basées sur la vérité. Your complaints are not based on the truth. Tu es paresseux. On ne doit pas te parler. We don't need to talk to you. Tu as une mauvaise conduite. You have a bad character. On ne peut pas te corriger. We don't need to correct you. Tu dis on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. He said they don't love tu me. Tu dis regarde, nul ne se plaint avec justice. He said no one pleads with justice. Chacun veut dire je ne sais pas, je ne sais pas. Each one says I don't know, ce I don't know. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. I'm not the one. Même quand tu sais que c'est toi. Even when you know that it is you. Il y a des femmes. There are ladies. Elles ont attrapé des grossesses. They got pregnant. Elles ont attribué ça à d'autres personnes. And they attributed it to others. Parce que ces personnes-là étaient riches. Because those ones were rich. Ils ont pris la grossesse. Elles ont pris la grossesse. They took the pregnancy. Ils ont attribué à un riche. And attributed it to rich people. C'est un mensonge. To a rich person. That's a lie. C'est un mensonge. That's a lie. C'est un mensonge. That's a lie. Tu dois dire la vérité. You must tell the nous truth. Sommes allés pour délivrer une dame à San Pedro. We went to deliver a lady in San Pedro. Nous avons travaillé we worked avec zèle. With zeal. Elle a fait la repentance. And she repented. Elle croyait que nous étions comme les autres. She thought that we were like the others. Les autres ne connaissent pas la repentance. The others don't know repentance. Ils font la confession et puis ils sont contents. They do confession and then that's all. Nous avons dit à la dame. We told the lady. Quand tu donnes la vie à Jésus. When you give your life to Jesus. Tu confesses les péchés. You confess your sins. Tu les abandonnes. You abandon them. Et tu fais des restitutions. And then you do restitution. Et tu fais des restitutions. And then you do restitution. Et c'était une famille qui nous avait invités. And it was a family that invited us. Nous étions chez eux. We were in their home. Hébergés. We were lodged there. Nous sommes arrivés au chapitre de restitution. We got to the restitution chapter. Elle nous dit, she told us, j'ai trois enfants. I have three children. Chaque enfant a son père. Every child has his father. Mon mari n'est pas au courant. My husband doesn't chaque know. Enfant a son père. Every child has his father. Chaque enfant a son père. Every child has his father. On lui dit, madame. We told her, madame. Il faut lui dire la vérité. You must tell him the truth. Dis-lui que ce ne sont pas ses enfants. Tell him that. They are not his children. Si tu ne le lui dis pas, if you don't tell him, tu vas rester dans le mensonge toute ta vie. You will stay in this lie all through your life. Il y a des choses telles que si tu ne fais pas de restitution, there are things that if you don't restitute, tu vas mentir toute ta vie. You will lie throughout your life. Si tu as peut-être, si tu as par exemple 30 ans, if you have, for example, 30 ans d'âge, 30
30 years old. Et tu dis aux gens que tu as 20 ans. And you tell people that you are 20. Et puis tu donnes la vie à Jésus. And then you give your life to Jesus. Tu confesses tous les péchés. You confess all your sins. Tu vas à l'hôpital. You go to the hospital. Vous avez quel âge, monsieur, madame? How old are you, sir, madame? Tu dis, you start stammering. 20. You say, tu es tombé. 20. Tu es tombé. Pourquoi? Tu n'as pas résolu ce problème-là. You have not solved that problem. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Après, tu vas ailleurs. And after that, you go somewhere else. On te donne un imprimé. Une fiche à remplir. They give you a form to non, fill. Non, tu écris rapidement. Prénom, tu écris rapidement. You write your name quickly. Date de naissance. You write year of birth. Tu commences à manger le bic. You start chewing your pen. Pourquoi? Why? Tu n'as pas traité ce dossier. You did not treat that issue. Tu dois dire aux gens. You must tell people. Je vous avais menti. I lied to you. Mon vrai âge. My true age. C'est 30 ans. It's 30. Tu es délivré. You are delivered. Je conseillais un couple. I was counseling a couple. Après, ils vivaient ensemble. They lived together. Et ils ont donné la vie à Jésus. And then they gave their lives to Jesus. Il fallait maintenant faire des restitutions au niveau du mariage. So they had to carry out restitution at the level of marriage. J'ai demandé à la dame, comme il y avait un problème d'enfantement. Since there was a problem with childbirth. Et les deux étaient devant moi, je croyais que c'était un couple transparent. I thought that it was a transparent couple, so both of them were in front of me. Je voulais donc voir si elle était encore à l'âge où elle peut concevoir. So I wanted to see if she was still at childbearing age. Vous avez quel âge, madame? I asked her, how old are you, lady? 56 ans. She said 56. Son mari, regarde. Her husband turned and looked and said, dit, mais tu ne sais pas. And then the lady said, but non, you don't know. M'as jamais dit. And she said, well, you've never told me. Là, vous voyez. At that point, il fallait qu'elle dise à ce monsieur. She had to tell that man que en fait, that in fact, je ne peux plus te faire des enfants. I can no longer bear la children for you. Déjà là. Right there. Mais elle a préféré tricher. But she decided to. What am I trying to say? Nous allons prier bientôt. We are going to pray a while from now. Si on t'a invité, if you are invited, c'est pour te dire, is to tell you que tu dois donner ta vie à Jésus. That you must give your life to tu Jesus. Tu confesses tes péchés. Confess your sins. Il te pardonne. For him to forgive you, te donne la vie éternelle, and give you eternal life. Et on se tient ensemble, and then we'll stand together pour invoquer son nom, to call upon his name. Tu verras la différence. You'll see the difference. Les gens qui rendaient témoignage ici, the people were testifying here a while ago, beaucoup ont dit, many of them said, qu'ils priaient quelque part, that they used to pray somewhere, et il y avait toujours des blocages, and they always had obstacles. Et ils sont venus and à la CMC, to CMFI. Les frères leur ont prêché la repentance. The brethren preached repentance to them. Ils ont pris des jeunes pour se repentir. They fasted to repent. Et ils ont pris des jeunes pour qu'on brise leurs liens. And they fasted for their ties to be broken. Bam! Bam! Les obstacles sont tombés au nom de Jésus. And the obstacles fell in the name of Jesus. Où est la différence? Where is the difference found? On les a conduits à Jésus lui-même. They were led to Jesus himself. Avec des supplications, des jeûnes et des prières. With supplications, fasting and prayer. On ne bricole pas l'œuvre de Dieu. We don't do God's work haphazardly. Parce qu'il y a une adversité terrible. Because there is terrible adversity. Il y a des esprits derrière. There are spirits behind. Toi, tu penses que c'est un phénomène passager. C'est durable. You think that is just a passing phenomenon, but it is sustainable. C'est pour cette raison que ce passage parle de l'arrêt de délivrance est loin de nous. That's why this passage talks about the fact that the reign of deliverance is far from us. D'où vient l'affaire de délivrance ici? Where does deliverance come in here? Quelqu'un qui dit à Dieu, j'ai faim, donne-moi à manger. Someone who tells God, I'm hungry, give me et food. Et la réponse que Dieu lui donne, c'est que je ne veux pas te délivrer. And the response that God gives him is that I cannot deliver you. D'où vient la délivrance ici? Where does deliverance come in here? Il y a les démons derrière ces choses-là. There are demons behind these things. Il y a l'ennemi est contre toi. The enemy is against you. L'ennemi est contre toi. The enemy is against you. Si tu veux, if you want, fais des meilleurs plans de ta vie. Make the best plans of your life.
Tes ennemis vont encore t'attaquer. Your enemies will still attack you. Et tu vas échouer. And you will fail. Cherche le financement. Look for financing. Tu vas échouer. You will fail. Pourquoi? Why? Le diable est derrière. The devil is behind it. Le diable est derrière. The devil is behind it. L'arrêt de délivrance est loin. The reign of deliverance is far away. Donc il y a quelqu'un qui doit décréter que pour que tu sois délivré. There's someone who must decree for you to be delivered. Et la personne qui doit signer ton dossier de délivrance, c'est le Seigneur. And the person who must sign your deliverance decree is the Lord. C'est ton créateur. He's the creator. Mais il n'est pas content. But he's not happy. Parce que tu le fuis. Because you are fleeing away tu from him. Tu le fuis. You are fleeing. Et lis pour nous Jérémie chapitre 2. Read Jeremiah chapter 2 for us. Verset 29. Verse 27 to 29. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos. Ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Amen. Vous voyez? You see? On adore les montagnes. Worship mountains. On offre des poulets. We give chicken. Le marabout te dit va faire ceci à minuit au carrefour. The witch doctor tells you to go and do this at midnight at on the junction. Dit, il y a un féticheur à Korogo, tu cours, tu t'en vas le consulter. And when they say there's a fetish man in Korogo, you go there. On te donne des cordes. They give you ropes. Tu attaches partout. And you tie all over. On donne les bouteilles, tu mets à la maison. They give you a bottle, you put at home. Quand tu es attaqué, when you are attacked, quand la souffrance est réelle, when suffering is real, tu dis, oh Dieu, you say, oh God, oh délivre-moi, oh deliver me. Et Dieu te dit, and God tells you, toi là, you, tu as dit au bois, tu m'as créé. You told the wood that you created me. Tu vois la pierre, tu dis, c'est toi mon Dieu. You see the rock and you say you are maintenant, my God. Mais là tu as des problèmes. Now you are in problems. Les sorciers veulent te tuer. And witches want to et kill là, you. Et là les maladies, le sida et tous les autres. Sicknesses, AIDS, and the rest. Et tu viens, Dieu, sauve-moi, délivre-moi. And then you come and say, oh God, save me, deliver me. Où sont donc les autres dieux? So where are those other gods? Que tu es parti adorer. That you went to worship. Il dit, vous avez été infidèle. He says you have been unfaithful. Vous avez été infidèle. You have been unfaithful. Vous avez été infidèle. You have been unfaithful. C'est comme ça que Dieu agit. That's how God works. Il est un Dieu de justice. He's a God of righteousness. Tu dis, nous sommes des zi. He said, we have zi. Nous venons de Komoué. Komoué. We come from Komoué. Mes parents sont combien? Our parents are combien? On a des gorilles, on a les masses, nous sommes puissants. We have gorillas and masses and we are powerful. Et un petit palu te foudre, bam! And then little malaria brings you Dieu, down. Oh Dieu! And you say, oh God! Délivre-moi. Deliver me. Il dit, je ne veux pas. He says, I don't want. Va vers tes dieux. Go to your gods. Que tu adores tous les jours. That you worship every day. Il est dans la bouteille sous ton lit. He is in the bottle under your bed. Il est sur terrain. He is tied around your waist. Il tue le nord. And you honor him. Avec le riz et l'huile rouge. With rice and palm oil. Va l'adorer. Go and worship him. Il te délivre. Let him deliver you. Va l'adorer. Go and worship him. Il te délivre. Let him deliver you. Mais Dieu ne s'arrête pas là. But God doesn't stop there. Si tu continues dans cette vie. If you continue in that life. Si tu continues dans cette vie. If you continue in that life. Tu n'iras pas au ciel. You will not go to heaven. Et c'est ça qui est très difficile. And that is what is real difficult. Tu vas souffrir sur la terre. You will suffer on earth. Et quand tu vas mourir, and when you'll die, tu vas te retrouver dans le séjour des morts. You'll find yourself in Hades. Loin de la face de Dieu. Far away from God. Notre prière, our prayer, est que ce soir, is that this evening, tu décides, you decide, de revenir à Dieu. To come back to God. Que tu décides, that you decide, que tu décides, you decide. Lis pour nous Jean chapitre 3 verset 16. Read for us John chapter 3 verse 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que Dieu te demande ce soir? What is God asking from you this evening? C'est que tu acceptes son fils. Is that you should accept his son? Jésus a dit. Jesus said. Venez à moi. Come unto me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. You are tired and weary. Je vous donnerai le repos. I'll give you rest. Cher ami. Dear friend. Jésus t'appelle. God is calling you. Ton histoire peut changer aujourd'hui pour toujours. Your story can change today and forever. Il a dit, he said, si le fils vous a franchi, if the son sets you free, vous serez réellement libre. You'll be free indeed. Le fils là, c'est qui? Who is that son? C'est lui, Jésus.
He's the one, Jesus Christ. Si dans le Fils vous affranchit, if therefore the Son vous serez réellement libre, you'll be free indeed. Est-ce qu'il y a parmi vous, is there among you, quelqu'un qui veut venir, someone who wants to come, qui veut dire à Dieu, who wants to tell God, j'arrête, I stop, j'arrête, I stop, je n'ai rien gagné dans le péché, I've won nothing, I've gained nothing in sin. J'avais rencontré un monsieur. I met a man. Il me dit, tu es jeune, tu es jeune, mon petit, tu es jeune. Là où tu me vois, toute ma vessie est perforée. Les maladies venaient rien. He told me, well, my young man, you are very young, you are still young. As you see me, my bladder is all broken. Qu'est-ce qu'il voulait dire? With venereal diseases. Que avant même l'enfer dont on parle. He said he was trying to tell me that even before the hell that I was talking about, il souffrait déjà. He was already in pains. C'est comme si on donnait l'avance de son salaire. It's like he was receiving a salary advance. Toute ma vessie est perforée. All my bladder is perforated. Et toi, je ne sais pas ce que tu as. I don't know what you have. Mais Jésus va te délivrer. But Jesus will deliver you. Je me souviens d'une sœur. I remember one sister. Elle est entrée dans mon bureau. She got into my office. Elle m'a montré les résultats du test du VIH. She showed me the results of her HIV test. Le test de dépistage. Her HIV test. C'était positif. It was positive. Le Saint-Esprit m'a rempli. The Holy Spirit filled me. Je lui ai dit. I told her. C'est faux. I said it's false. Va reprendre. Go and take it all over. Elle est partie reprendre. She went. And did the test again. Négatif. It was negative. Ça, c'est les compassions de Jésus. That's the compassion of Jesus. Elle vivait avec un monsieur. She used to live with a man. Le monsieur est mort du VIH. The man died of AIDS. Ils ont eu un enfant. They had a child. Quand tu vois les signes du mal, tu te dis que vraiment c'est la même chose. L'enfant est décédé. When you see the signs of that pain, you knew that it was the same thing. Elle-même développait déjà les signes. She was already developing the signs. Elle a fait le premier test. She did the first test. Positif. It was positive. Donc ça a confirmé les hypothèses. So the hypothesis was confirmed. Je dis, va reprendre. I told her, go and redo it. Elle est partie reprendre. She went and redid it. Je crois que c'était en 2001. I think it was around 2001. Elle a fait le contrôle du bilan l'an passé. And she did a control. Tout est négatif, négatif, négatif. She did a control of the test last year. Everything ce was negative. Ce n'est pas le genre que ça va, ça revient. It's not like it went away and then came back. La guérison que Jésus donne est définitive. The healing that Jesus gives is definite. Mais c'est lui qui guérit. And he's the one who heals. Il va vous traiter selon vos pensées. He will treat you according to your thoughts. Ceux qui ont déjà décidé qu'ils vont donner leur vie à Jésus, vous êtes déjà bénis. Those who have already decided to give their lives to Jesus, you are already blessed. Ceux qui discutent dans leur cœur. Those who are still arguing in their hearts. Que ah, donc si je donne la vie la petite fille là, je dois l'abandonner. So that if I oui, tu dois l'abandonner. If I give my life to Jesus, I'll abandon tu that little l'abandonner. Girl. Yes, you will abandon her. Ou alors, or, tu es une fille. You are a girl. Et ce petit garçon. I say, oh, this young donc boy. Je dois l'abandonner. So I must abandon. Oui, oui. Yes, yes. Tu dois abandonner. You must abandon him. Tu dois abandonner. You must abandon. Il n'y a pas de conversion sans repentance. There's no conversion without repentance. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. The Bible says, repent and be converted. Donc avant même de se convertir, il faut d'abord se repentir. So before being converted, you must first of all repent. Et se repentir, c'est arrêter de faire. And repent means you stop doing it. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu pour toujours. And being converted is turning towards God forever. Maintenant, j'ai déjà beaucoup parlé. Now I've spoken a lot already. Nous devons prier aussi. We also have to pray. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. If you want to give your life to Jesus, lève la main là où tu te trouves. Raise your hand where you are. Venez me trouver ici, vous tous. Come and meet me right here. Venez ici, venez. Come forward, please. Que tout cela vienne ici. Let all those ones come. Venez, venez, il y a des... Venez, venez, ne craignez pas, venez vite. Tous ceux qui ont levé les mains, venez. Yes, come please, all those who raise their hands. Oh, viens à Jésus-Christ. Yes, come to Jesus. Il est le chemin, la vérité et la vie. He's the way, the truth and the life.
Venez, 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 venez. Come, 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 come. Venez avec vos sacs, ceux qui ont les sacs. Come with your bags, those who have bags. Viens avec tes effets. Come with your belongings. Et viens avec foi. And come with faith. Jésus va te changer. Jesus will change you. Jésus va t'exaucer. Jesus will answer you. Il était irrité contre toi. He was angry against you. Il était fâché. He was angry. Donc il t'avait abandonné. So he abandoned you. Si tu reviens, if you come back, de tout ton cœur, all your heart, de tout ton être, with all your being, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of tu God. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up, rise up. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Viens, lève-toi et viens. Oh, lève-toi et viens. Oh, rise up and come. Rise et up Dieu, and come. Le Seigneur va signer ton arrêt de délivrance. And heaven will sign the decree le Seigneur va signer ton arrêt de délivrance. Heaven will sign the decree for your deliverance. Le Seigneur va signer ton arrêt de délivrance. Heaven will sign the decree for your deliverance. Le Seigneur va signer ton arrêt de délivrance. The Lord will sign the decree for your deliverance. Oui, acclamez, acclamez pour Jésus-Christ. Yes, clap, clap, clap for Jesus. Pendant que les pécheurs viennent se donner à Jésus, while the sinners are coming to give themselves to Jesus, merci, Jésus. Say thank you, Jesus. Viens, viens, n'hésite pas, ne reste pas. Ne reste pas assis. Don't remain seated. Oh, il dit. Oh, he says. Il y a un mur entre moi et toi. Un mur, un mur. There's a wall between you and me. Un mur, a wall, a wall. Lève-toi. Rise up. Pour briser le mur. To break that wall. Lève-toi. Rise up. Pour briser la séparation. To break that separation. Lève-toi. Rise up. Lève-toi. Rise up. Ne reste pas assis. Don't remain seated. Ne reste pas assis. Don't remain seated. Viens. Come. Brise le mur. Break the wall. Le mur de séparation. The wall of separation. Entre toi et Jésus-Christ. Between you and Jesus Christ. Ce sont tes péchés. Are your tes sins. Mensonges. Your lies. Ta colère. Your anger. Ta convoitise. Your covetousness. Qui te sépare de Dieu. Which separates you from God. Qui te sépare de Dieu. Which separates you from lève-toi God. Lève-toi pour briser le mur. Rise up and break that wall. Et viens devant. And come in front. Et viens devant. Come in front. Et viens devant. Come in front. Et viens devant. Come in front. Je me lève contre tout blocage. I rise up against any blockage. Tout esprit qui se tient sur ton chemin. Every spirit that stands on your way. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. I cast them out in the name of Jesus. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. I cast them out in the name of Jesus. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. I cast them out in the name of Jesus. Je le chasse. I cast them out. 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 Lève-toi. Rise up. Viens te réconcilier avec ton Dieu. And come and get reconciled to your God. Viens te réconcilier avec ton Dieu. Come and get reconciled to your God. Satan. 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 Be gone. Les âmes. Elles appartiennent à Jésus, elles appartiennent à Jésus. They belong to Jesus, they belong to Jesus. Lève-toi. Rise up. Pour briser le mur. To break the wall. Le mur de séparation. The wall of separation. Lève-toi. Rise up. Lève-toi. Rise up. Pour briser le mur de séparation. To break the wall of separation. Briser le mur de séparation. To break the wall of separation. Séparation. To break the wall of separation. Briser le mur de séparation. To break the wall of separation. Le break the wall of separation. Pendant que tu écoutes, while you listen to that song, lève-toi, tu viens. Rise up and come. Pendant que tu écoutes ce chant, while you listening to that song, lève-toi, tu viens. Rise up and come. Je te chasse de ce lieu. I cast you out from this place. Libère tes captifs. Set your captives free. Tu n'as plus l'autorité sur ces âmes. You no longer have any authority over these souls. Des chemins de tristesse, des chemins du mensonge, des chemins du vol, des chemins de la drogue, le chemin. Il y a un mur entre toi et Dieu. There's a wall between you and God. Tu peux renverser ce mur. You can break that wall. You can overthrow the wall.
en donnant ta vie à Jésus. By giving your life to Jesus. En donnant ta vie à Jésus. By giving your life to Jesus. Dieu te dit. God is telling you. Je peux te sauver. I can save you. Je peux te délivrer. I can deliver you. Je peux te guérir. I can heal you. Et j'ai la vie éternelle. And I have eternal life. Après cette vie sur la terre. After this life on earth. Je te donne la vie éternelle. I give you eternal life. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. 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 Des chemins de colère, des chemins d'adultère, des chemins d'immoralité, des chemins du mensonge. Osée 13 verset 9. Read Hosea chapter 13 verse 9 for us. Osée 13 verset 9. Hosea chapter 13 verse 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Mon ami, my dear friend, chacun a son problème. Each one has his problem. Chacun élève des créatures. Each one raises Christ to God. Chacun appelle Dieu au secours. Calls God for help. Mais le passage que nous venons de lire. But the passage that we just read. Says this. Ce qui cause ta ruine. That which ruins you. C'est que personne qui peut te sauver. Is that you are against the person who can save you. Ton problème, ton maladie. Your problem, therefore, is not sickness. Ton your problem, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Is that you don't love Jesus? Il dit ce qui cause ta ruine. He says that which ruins you. Ce qui cause ta ruine. That which ruins you. Ton vrai problème. Your true problem. C'est que tu es contre celui qui peut te secourir. Is that you are against the one who can rescue you? Tu ne peux pas dire. You cannot say. Oh Dieu. Oh God. Aide-moi. Help me. Hein? And at the same time. Rejeter son règne. You reject his reign. Tu dis, je ne veux pas qu'il règne sur moi. You say I don't want him to reign over me. Je prie une dame. I preached the gospel to a lady. Elle m'a dit. She told me. Je ne peux pas donner ma vie à Jésus. She said I cannot give my life to Jesus. Elle m'a dit. She told me. Je ne peux pas donner ma vie à Jésus. I cannot give my life to Jesus. Parce que si je donne ma vie à Jésus. Because if I give my life to Jesus. Je ne peux plus dire la vérité à mon mari. I cannot tell my husband the truth. Je ne peux plus dire la vérité à mon mari. I can no longer tell my husband the truth. Et notre m'a dit. And then she si Jésus pouvait accepter that if Jesus could accept que je lui donne le bois, nourriture, that I give him drink, food, and water, et moi-même, and then myself, il me laisse aller me promener, and then he lets me to stroll around. J'allais donner ma vie à Jésus. And I'm giving my life to Jesus. Jésus n'est pas là pour la nourriture. Jesus is not there to Jésus receive a besoin your food. De toi-même. Jesus needs you. Amen. It is you that he needs. Levez vos mains. Raise your hands. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. C'est toi le vrai Dieu. You are the true God. Les idoles ne sont pas des dieux. Idols are not God. C'est toi le vrai Dieu. Tout le monde doit prier. Priez bien, bien. Les paroles que vous prononcez chassent même les démons. Cast out even the demons. Parce que là où vous êtes, because where you are standing, il y a beaucoup d'envoûtements. There are many bewitchments. Et vos âmes doivent sortir de la prison. Must come out from the prison. Donc vous devez être concentré dans la prière. So you must concentrate in prayer. Dis Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. C'est toi le vrai Dieu. You are the true God. J'ai perdu le temps. I've wasted dans l'idolâtrie. In idolatry. Et dans le péché. And in... Je m'en repens. Oh Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Efface tous mes péchés. Wipe out all my sins.
En parole, en pensée et en action. Mes actes sont abominables. My actions are... Je mérite ton châtiment. I deserve your chastisement. Mais j'implore ta grâce. 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 Oh Seigneur Jésus, j'implore ta grâce. Pardonne-moi. 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 Et délivre-moi des conséquences. Dans ma santé. Délivre-moi des conséquences. Dans la vie sociale. Délivre-moi des conséquences dans la vie familiale. Délivre-moi des conséquences dans la vie professionnelle. Seigneur Jésus, mes péchés pèsent sur moi. Pèsent sur moi. Mes péchés pèsent sur moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans mon corps, j'ai attrapé des maladies incurables. Je viens à toi. Viens, Seigneur Jésus. Délivre-moi du joug du méchant, du joug du méchant, du joug du méchant, du joug du méchant. Tendez les mains vers ici. Stretch your hand towards. L'assemblée va prier pour vous. The assembly will pray for you. Dites seulement à Jésus. Only tell Jesus. Tu peux compter sur moi. Count on me. Je viens. I come. Je ne veux plus rentrer. I will no longer go back. Et Dieu va exaucer l'assemblée. And God will answer the assembly. Dieu va exaucer l'assemblée. God will answer the assembly. Et vous serez bénis. And you'll be blessed. Prions ensemble. Pray, let's pray together. Seigneur Jésus, bénis ces enfants. Bless these children. Qui sont venus se confier à toi. Who have come to lay themselves. Oh Jésus Christ. Oh. Oh Jésus Christ, oh Jesus Christ, bénis ces enfants, bless these children, qui sont venus se confier à toi. Who have come to confide. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que tes desseins s'accomplissent dans leur vie. Que tes desseins s'accomplissent dans leur vie. Que les sentiers de la justice, les sentiers de la justice s'élargissent sous leurs pieds. Que personne ne chancelle et ne tombe. Soutiens-les dans la tentation. Soutiens-les dans l'épreuve. Soutiens-les dans la tentation. Soutiens-les dans la tentation. Soutiens-les dans l'épreuve. Soutiens-les dans l'épreuve. Donne-leur des bons bergers. Donne-leur des bons bergers. Donne-leur des bons faiseurs de disciples. Donne-leur des bons faiseurs de disciples. Donne-leur des bonnes assemblées. Qui vont prendre soin de leur âme. Qui vont leur rendre visite. Qui vont leur donner des bons conseils. Pour qu'ils deviennent des hommes mûrs. En Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous allez chanter ces chants. Le miracle va se produire dans vos vies. Amen. Jésus n'a pas changé. Quand on ne croit en rien, Jésus ne fait rien. Là où on croit, il fait. Et quand on veut faire, quand on veut croire, on doit proclamer ça, on doit chanter ça, jusqu'à ce que les cellules se convertissent. Et que tout ton être croit. Est-ce que nous sommes ensemble? Que les jeunes se convertissent, acclament Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Vous avez applaudi. Normalement, quand on acclame, on pousse des cris avec les gens. Jésus-Christ. Allez, maintenant, enseigne la question. Si vous ne chantez pas, les jeunes vont vous dépasser. A-t-il changé? Il n'a pas changé. A-t-il changé? Il n'a pas changé. Très bien. Il est le même. A-t-il changé? Il n'a pas changé. A-t-il changé? Aujourd'hui, comme
Debout. Remain standing, please. Oh, bien, asseyez-vous d'abord un peu. Oh, be seated for a while. Vous savez, you know, nous sommes déjà bénis. We are already blessed. Nous allons lire cela dans la Bible. We are going to read it in the Bible. Par Ephésiens chapitre 3. Take chapitre Ephesians, 1, pardon, à partir du verset 3. Chapter 1 from verse 3. Si nous comprenons, if we understand, d'une façon, d'une manière révélationnelle, in a revelational way, si nous réalisons, if we realize, que nous sommes déjà bénis, that we are already blessed. La victoire de ce soir va nous introduire dans une autre dimension. The victory of this evening will take us into another dimension. Lis. Read. Ephésiens. Nous allons lire jusqu'au verset 14, étape par étape. We are going to read until verse 14, step by step. Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La parole de Dieu déclare, the word of God declares, que Dieu nous a déjà bénis, that God has already blessed us, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, with all spiritual blessings, dans les lieux célestes, in the heavenly places,
C'est déjà fait. It is already done. Vous savez, quand Dieu veut créer quelque chose, you know, when God wants to create something, il décide d'abord la chose dans son cœur. He first of all decides what that thing is in his heart. Et il jure par lui-même. And then he swears by himself. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Because there's no one above him. Donc il jure par lui-même. So he swears by himself. Que ça sera fait. That it will be done. Que ça sera fait. That it will be done. Il a dit. He said. Tous les saints. That all saints. Tous ceux qui croient en son fils. That all those who believe in his son. Sont bénis. Are blessed. Et que ils ont droit à tout ce qui est spirituel dans les lieux célestes. And that they have the right to every spiritual blessing in the heavenly places. Si tu peux imaginer. If you can imagine. Tout ce que tu peux pouvoir imaginer. All that you can imagine. Comme bonheur. As source of happiness. Comme bénédiction. As blessing. Pour un enfant de Dieu. For a child of God. Dieu l'a déjà fait pour nous. God has already done it for us. Dans le ciel. In heaven. C'est déjà arrêté. It is already settled. Quand tu viens. When you come. C'est quand tu dis à un démon. When you say to a demon. Que quitte. Leave. Le démon sait. The demon knows. Que ton père avait déjà décidé. That your father had already decided. Qu'il va partir. That he must go. Quand Jésus va entrer. When Jesus will come in. C'est déjà arrêté. It is settled. Toutes sortes de bénédictions. All blessings. Quand tu viens prier. When you come to pray. Tu dis Dieu va m'exaucer. You say God will answer me. Pourquoi? Why? Parce que Dieu avait déjà arrêté. Because God had already settled. Que invoque-moi au jour de la détresse. That call upon me in the day of trouble. Je te délivrerai. I will deliver you. Tu me glorifieras. And you glorify me. C'est déjà arrêté. Dieu a déjà décidé que il va exaucer ses enfants qui crient. It is settled because God has already decided that you answer his children who cry out to him. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient discuter avec le diable. It is not something that we come and argue with the devil about. Ce que Dieu veut, what God wants, c'est qu'on crie seulement. Is that we should cry out. C'est pour cette raison, that is why, que quand vous étiez encore sans Jésus, that when you were en vérité, still without Jesus in truth, ça ne pouvait pas s'accomplir. It could not be accomplished. Parce que Dieu n'a pas décidé de bénir l'homme sans Jésus. Because God has not decided to bless man without Jesus. Dieu ne l'a pas prévu. God did not plan it that way. Il est écrit. Dieu nous a donné la vie éternelle. And God has given us eternal life. Et cette vie éternelle est en son fils Jésus-Christ. Celui qui a le fils de Dieu a la vie. He who has the son has life. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. He who does not have the son doesn't have life. Et l'apôtre dit, and the apostle je vous ai écrit ces choses I write to you these things, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. So that you should know that you have eternal life. Vous qui croyez au nom du fils unique de Dieu. You who believe in the only son of God. Et là tous les enfants de Dieu devraient dire alléluia. And there all children of God should say hallelujah. Et dit je vous he il écrit ces choses aux frères. He writes it to brethren. Il dit, je vous écris. He says, I write to pour you que vous sachiez. That you should know. Que vous sachiez. That you should know. Que vous avez la vie éternelle. That you have eternal life. Vous qui croyez en Jésus-Christ. You believe in Jesus Christ. Dieu nous a bénis. God has blessed us. Par toutes sortes de bénédictions. By all sorts of blessings. Des bénédictions spirituelles. Spiritual blessings. Dans les lieux célestes. In the heavenly places. En Jésus-Christ. In Jesus en Christ. Jésus-Christ. In Jesus Christ. Frère, ne regrette jamais d'avoir donné la vie à Jésus. Brother, never regret to having given your life to Jesus Christ. Même s'il y a des petites épreuves. Even if there are little trials. Prends le nom de Jésus et crase les épreuves. Take the name of Jesus and cross those trials. Continue. Continue, please. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Écoutez, selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit en Jésus, in Jesus, Dieu nous a élus. God elected us. Bien avant la fondation du monde. Before the foundation of pour the world. Que nous soyons saints. So that we should be holy. Irrépréhensibles et irréprochables. Without blame. C'est, nous sommes bénis pour être vainqueurs du péché. We are blessed to be overcomers of sin. C'est-à-dire quand Dieu nous a élus, it means when God elected us, c'était pour que nous soyons saints. It was for us to be holy. Irréprochable. Without blame. C'est pour cette raison que vous allez remarquer, that's why you realize, que votre comportement change tous les jours. Your behavior will change as the days go by. Vous allez remarquer, you realize, que ce soir même, that this evening, la cigarette va dégager une mauvaise odeur. Cigarettes
will have a very bad odor. L'alcool sera comme les urines, des urines du diable. Alcohol will be like the devil's urine. Tu ne vas même pas toucher. You'll not even touch it. Élu. Elected. Pour être saint. To be holy. Irréprochable. And blameless. Dieu a défini ce que tu dois être avant même ta conversion. God defined that which you must be even before your conversion. Élu. Elected. Mais mon problème. My problem. C'est que je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Is that I don't even know if you understand what I'm saying. Qui a déjà, quand il y a des élections présidentielles, là, quand un camp gagne, qu'est-ce que le camp qui gagne fait? What's my experience presidential elections and what happens to the camp of the winner? Ou bien vous vivez dans les villages. Or you live in villages. Quand vous avez entendu que Dieu vous a élu, when you heard that God est-ce que ça vous touche même? Does it even touch you? Does it move you? Si je proclame, shall I proclaim que je suis élu, élu, I'm élu, élu, elected, élu. I'm elected, I'm elected. Quand tu entendras un député se réjouir qu'il est élu, tu dis non, non, moi je suis élu depuis l'éternité. When you hear a member of parliament rejoicing that he has been elected, you just Alleluia. Say, oh, I was elected since from the beginning of eternity. Oh, nous sommes élus. Oh, we are elected. Nous sommes élus. We are elected. Nous sommes élus. We are elected. Pour être saints comme Dieu. To be holy like God. Irréprochable. And without blame. Tu, même si tu veux rétrograder, ça ne va pas marcher. Je vous Even dis if you want to backslide, it will not work. I tell you the truth. Attendez, je vais vous poser, vous allez voir. Si tu as rétrogradé un jour et tu es revenu, ne dis pas ton nom. Tu peux même baisser ta face, mais tu lèves la main. Si tu as rétrogradé un jour, tu If es revenu, lève la main. If you have backslided one day and you came back, just ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu, oh, ils n'ont pas pu. Oh, they were not able. Ils n'ont pas pu. They were not able. Ils n'ont pas pu. They were not élu, élu. Elected, elected, élu. Elected. Prédestiné. 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 Predestined. Ils voulaient partir. They wanted to go. Mais le projet a échoué. But it pourquoi? Why? L'élection. Election. Ils ont été élus. They were elected. Ils ont été élus. They were elected. Pour être saints. To be holy. Rien d'autre, le contraire ne peut pas se produire. The contrary cannot happen. Hallelujah. Hallelujah. Et il dit. And it says. Pour être devenir des enfants de Dieu. To become children of God. Nous sommes des enfants de Dieu. We are children of God. Si je proclame. See, I proclaim. Que je suis un enfant de that Dieu. I am a child of God. Par adoption par le sang de Jésus. By the adoption by the blood of Jesus. Par adoption par le sang de Jésus. By the blood by the adoption by the blood. Si je proclame. See, I proclaim. Que mon progrès spirituel. That my spiritual progress. Ne dépend pas du diable. Does not depend on the devil. Mon progrès spirituel. My spiritual progress. Ne dépend pas des démons. Does not depend on demons. Mon progrès spirituel. My spiritual progress. Ne dépend pas des gens pervers. Does not depend on perverse mon progrès spirituel. My spiritual progress. Ne dépend pas des incrédules. Does not depend on unbelievers. Mon progrès spirituel. My spiritual progress. A été signé par Dieu. Was signed by God. Signé par Dieu. Signed by God. Élu. Elected. Élu. Elected. Pour être saint. To be holy. Pour être saint. To be holy. Et irréprochable. And without blame. Dis même si je veux rentrer dans le monde. Say, even if I want to go back to the world. Ça va échouer. It will fail. Ça va échouer. It will fail. Et puis dis à toi-même reste tranquille comme j'ai dit. Boniface, reste tranquille. Tell yourself, be quiet. Dieu, Boniface, as I tell myself, Boniface, Edwin, keep be quiet. Reste calme. Just be calm. Dans la maison de Dieu. In the house of God. Parle à toi-même. Speak to yourself. Oui, parle à vous. Comment tu t'appelles? Qui? Dis Clarisse, reste calme dans la maison de Dieu. Que chacun parle. Nos cœurs ont des oreilles. Let each one speak to himself. Our hearts have ears. Dis à toi-même, je suis élu. Tell yourself, I'm elected through His blood. Je ne peux faire autre chose. I can do nothing else. Jésus a signé. Jesus has signed. Jésus a signé. Jesus has signed. Je vous dis la vérité, les démons sont déjà découragés. I tell you the truth, demons are already discouraged. Certains sont déjà en train de partir. Some are already leaving. Parce que la lumière est grande. Because the light is great. La lumière est grande. The light is great. Lis la suite. Read what follows. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Deux choses. Two en things. Même temps. At the same time. On a déjà vu deux. Élu. Elected. Pour être saint. To be holy. Prédestiné. Predestined. Pour être enfant d'adoption. To be children of Maintenant, adoption. On dit. Now he says, Dieu nous a rachetés.
But God has redeemed la rédemption, c'est le rachat. Redemption, c'est à ce moment-là to take back. Que même si on t'avait vendu, it's at that time that if you are sold, it is cancelled. C'est annulé. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Même si toi-même tu t'es vendu, even if you sold yourself, nous sommes allés à Séguéla. We went to Séguéla. Un jeune homme rendait témoignage. A young man was testifying. Il dit qu'il aimait beaucoup l'argent. He said he loved money so much. Et il était endetté. And he was indebted. Il voulait devenir riche. He wanted to become rich. Il est parti voir un marabout. He went to see a native doctor. Il avait déjà consulté beaucoup de marabouts. Il est parti maintenant consulter un autre. He went to consult one. Il dit, je veux devenir riche. He told him, I want to become rich. Je veux vendre un membre de mon corps. I want to sell one part une of my body. Une partie de mon corps. One part of my body. Le marabout lui dit, je prends la main droite. That I take the right hand. Il dit, hey, j'essaie, je vais écrire comment. Si tu demandais au moins la main gauche. He said, oh, but I'm a teacher. How would I write? Even if at least you'd have asked for the left hand. Il y a des gens qui se vendent. There are people who sell themselves. Et il y a d'autres qui vendent les corps des autres. And there are others who sell the bodies of others. Dans Apocalypse, on parle des gens qui se sont enrichis par le commerce des corps et de vente des corps et d'âmes. In Revelations, the Bible talks about those who got rich by the sale of the body and the soul. Ils sont devenus riches. They became rich. Ils vendent les âmes des hommes. They sell the souls of men. Il y en a qui vendent les corps même. There are others who sell the physical body. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand Jésus y arrive, when Jesus comes in, il verse le sang. He sheds his blood. Et la parole dit, and the word says, il a versé le sang. That he shed his blood. Pour nous délivrer de l'idolâtrie de nos ancêtres. To deliver us from the idolatry of our ancestors. Toutes les promesses que les ancêtres ont faites aux idoles, aux génies, sont annulées par Jésus. All the promises that the ancestors made to idols have been cancelled. Jésus est venu avec ce qu'il appelle lui-même une nouvelle alliance. Jesus came with what he himself calls the new covenant. Signé par son sang. Signed by his blood. Ça annule toutes les alliances que tu peux imaginer. It cancels every covenant that you can imagine. Et il l'a fait une fois pour toutes. And he did it once and for all. Tu es libre. You are free. Je proclame. Say, I proclaim. Que je suis libre. That I'm free. Je ne dois rien aux démons. I owe nothing to demons. Je ne dois rien à Satan. I owe nothing to Satan. Je ne dois rien aux sorciers. I owe nothing to witches. Je suis libéré. I am free. Jésus m'a racheté. Jesus has set me free. Jésus m'a racheté. Jesus has set me free. Et la parole dit, il n'a pas seulement racheté et tu restes là sale. He said that he not only redeemed you, he said that he wiped your sins. He wiped your sins. He wiped your sins. Il a effacé les péchés. He wiped your sins. Jésus a effacé les péchés. He wiped your sins. La rédemption, redemption, et la rémission des péchés. And the forgiveness of la rédemption, redemption, et la rémission des péchés. And the forgiveness of Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamons pour lui. Let's clap for him. Il est grand. Continue. Yes, continue please. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc c'est un plan, ce n'est pas une improvisation. Dieu s'est assis, il a planifié ça. He sat down and planted it. Oui. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. De réunir toutes choses en Christ. To bring all things que under Christ. Que tout le monde dise ça. De réunir toutes choses en Christ. Let everybody say to bring everything to Christ. Oh, cher ami, cher frère. Oh, dear friend, dear brethren. Il n'y a pas deux sauveurs. There are no two saviors. Dieu a décidé. God has decided. Que toute l'humanité. That all humanity. Soit soumise à Jésus. Will be submitted to Jesus. C'est pour ça qu'il a demandé que tous les anges de Dieu l'adorent. That's why he asked that all the angels of God should worship him. Jésus a procédé par obéissance. Jesus proceeded by obedience. Par dépouillement. By stripping off. Par renoncement. By self-denial. Par identification à la pauvreté des hommes. By identifying himself to the poverty of men. Et la parole dit, il s'est même rendu esclave. And the Bible says he even made himself a slave. Et la parole dit qu'il a accepté de mourir.
And the word says he accepted to die. La parole dit qu'il a accepté pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. The word says he accepted not any kind of death, but the death on the cross. Et la parole dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. And the word says that is why God has highly exalted him. Souverainement élevé. Highly exalted. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. And gave him a name that is above every other name. Pour quel but? Attendez, vous allez acclamer. Why? Pour quel but? What is the goal? Afin qu'au nom de Jésus. So that the name of Jesus. Tout genou fasse comment? Every knee should bow. Jésus-Christ. Jesus Christ. Le dessein éternel de Dieu. God's eternal purpose. Réunir toutes choses en Jésus. To bring everything under Jesus. Et élever son nom. And to lift up his name. Quand le diable vient. When the devil comes. Au nom de Jésus. He said in the name of Jesus. He makes. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Si le diable vient, ne fuis pas. If the devil comes, do not run away. Ne fais pas les muscles. Ce n'est pas une affaire de muscles. Do not show your muscles. It's not about muscles. Il vient, tu regardes. When he comes, you just stand there and look at him. Si tu vois qu'il commence à te déranger. If you see that he's disturbing you. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'arrêter. That is, if he does not want to stop. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. À genoux. Goes down on his knees. Le dessein éternel. God's eternal purpose. Tout à l'heure, quand on va prier, when we are going to pray away from now, ne donne aucune chance à l'ennemi. Don't give any chance to the devil. Dis-lui que c'est écrit. Say it is written. Qu'au nom de Jésus, in the name of Jesus, tu dois être à genoux. You must be on your knees. Pourquoi tu marches? Il ne va rien dire. Il va se mettre à genoux. He will not say anything. He will just go on his knees. Dieu nous a bénis. God has blessed us. Par toutes sortes de bénédictions spirituelles. By all spiritual blessings. Dans les lieux célestes. In heavenly places. C'est là-bas qu'il a décidé. That is where he decided. Que j'envoie mon fils dans le monde. That I'm sending my son into the world. Je l'élève. I exalt him. Et je l'établis chef suprême de l'Église. And I establish him as the head of the church. Et écoutez ce qu'il a fait. Listen to what he did. Continue. Continue, please. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Tu es un héritier de Dieu. You are an heir of God. Dieu t'a introduit dans sa famille. God has brought you into his family. Tu as droit à tous les privilèges de Dieu. You have right to all the privileges of God. Oh, héritier de Dieu. Oh, heir of God. Ça ne dépend pas de toi. It doesn't depend on you. Ne dis pas, je ne suis pas fort, je ne sais pas lire. Don't say I'm not strong. Dieu n'a pas tenu compte read. De tout ça. God has not taken all of that into account. Il dit, he says, c'est lui qui est riche. Is he who is rich? Et il t'a inscrit dans ta famille, dans sa famille. Tu es son enfant. He has registered you to his family. You are his child. C'est fini. And it's settled. Quand nous demandons certaines choses, c'est notre héritage. When we ask some things, it is our inheritance. C'est déjà signé au ciel. It is already signed in heaven. Il dit Dieu a de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. He says to bring everything under Christ, the things that are in heaven and the things that are on earth. Ce n'est pas seulement les choses du ciel. It's not only the things in heaven. Il n'y a pas un autre prophète. There is no other prophet. C'est Jésus seul. Jesus alone. Jésus l'a même dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jesus himself said it. I am the way, the truth and the life. Nul ne vient au Père que par moi. No one comes to the Father. C'est l'incrédulité qui peut amener les gens à prononcer d'autres noms. It is unbelief that can make people to pronounce another name. Ou la rébellion. For rebellious purposes. Héritier de Dieu. An heir of God. Dis je proclame. Say, I proclaim. Je proclame. Je proclame. I que proclaim. Dieu a fait de moi. That God has made of me. Un héritier. An heir. Par le sang de son fils Jésus-Christ. By the blood of his son Jesus Christ. Lis la suite. Read what follows. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Là où nous, tous ceux qui ont reçu Jésus,
All those who have received Jesus ont le Saint-Esprit en eux. Have the Holy Spirit in them. Ils ne laissent pas la maison vide. Dès que tu t'es levé, as soon as you got up, il a pris la place. He took over. Tu peux grandir avec lui. You can grow with him. Si tu as la foi, if you have faith, tu peux tourner sur place. You can turn on the si spot. Si tu n'as pas la foi, if you don't have faith, ça ne dépend plus de lui. It no longer depends on him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis le verset 15. Read verse 15. Écoutez. Listen attentively. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, continue. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Écoutez très bien, suivez très bien. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Alléluia. L'apôtre dit, the apostle says, voilà, Dieu a fait de nous des héritiers. God has made of us heirs. Élus. Elected. Prédestinés à être enfants. Predestined to be children. Pardonnés, rachetés. Forgiven, redeemed. Héritiers. Heirs. Revêtus du Saint-Esprit. Clothed with the Holy Spirit. Ça, c'est parfait. That is perfect. Mais l'apôtre dit, the apostle says, je prie aussi. I also pray que vous puissiez découvrir la puissance qui accompagne tout ça. That you should also discover the power that goes with all of this. C'est ça que tu vas utiliser ce soir. That's what you use this evening. C'est dans le nom de Jésus. It's in the name of Jesus. C'est dans le sang de Jésus. It's in the blood of Jesus. Il dit cette puissance là. He says this power. Dieu l'a manifesté en ressuscitant Jésus. God manifested it by raising Jesus from the dead. Lève ta main, tu dis je suis puissant en Jésus-Christ. Raise your hand and say I'm powerful in Jesus Christ. Si tu crois tout ce que nous avons dit et tu doutes à ce niveau-là, tu as perdu la bataille. If you believe in all that we said and then you doubt at that level, you have lost the battle. Mais ça demande la révélation. But it demands revelation. Donc la concentration spirituelle. So spiritual concentration. Pour que tu vois la main de Jésus avec toi. For you to see the hand of Jesus. Que tu crois. That you believe. Que ce que tu voyais comme étant impossible devient possible. That what you used to see as impossible is possible. Tiens-toi debout. Stand, please. Tu lèves ta main droite. Raise your right hand. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que la parole de Dieu est vraie. That the word of God is true. Si je proclame, say, I proclaim, que la parole qui dit that the word that says, que Dieu m'a déjà béni, that God has already blessed me, de tous par toutes sortes de bénédictions, with every kind of blessing, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, with spiritual blessings in heavenly places. Dis, cette parole est vraie. Say, this word is true. Dis, elle est vraie pour moi. Say, it is true for me. Elle est vraie pour mes frères. It is true for my brethren. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que la parole qui dit. That the word that says. Que je suis un enfant de Dieu. That I'm a child of God. Par adoption, par le sang de Christ. By adoption, by the blood of Christ. Cette parole est vraie. That the word is true. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je suis racheté. That I'm redeemed. Pardonné. Forgiven. Dis, Satan. Say, Satan. Tu ne peux plus me fatiguer. You can no longer weary me. Par tes accusations. By your accusations. Dieu m'a pardonné. God has forgiven me. Dieu m'a lavé. God has washed me. Je l'aime, il m'aime. I love him and he loves me. Je suis son enfant. I'm his child. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que Dieu m'a révélé. That God has revealed to me. Que Jésus est le seul chemin. That Jesus is the only way. Et que toutes choses. And that everything. Lui ont été soumises. Was brought under him. Tant dans les cieux que sur la terre. In heaven as well as on earth. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que mon élection. That my election.
Mets à ma disposition. Put at my disposal. La puissance de Dieu. The power of God. Qu'il a manifesté. That he manifested. En ressuscitant Jésus-Christ. By raising Jesus Christ. D'entre les morts. From the dead. Dis, je refuse d'être aveugle. Say, I refuse to be blind. Sur cette vérité. About this truth. Je crois. I believe. Vous savez ce que la Bible dit? Do you know what the Bible says? Dont Dieu ordonne que tu sois puissant. That your God commands that you should be powerful. Après, il dit que le faible dit je suis fort. Let the weak say I'm strong. Proclame. Proclaim. Qu'au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je proclame. Proclaim. Que je suis fort. That I'm strong. Je proclame. I proclaim. Que je suis fort. That I'm strong. Jésus Christ. Jesus Christ. Maintenant. Now. Tu vas demander que toute alliance. You ask that all covenants. Quand on dit que un parent on l'avait offensé et il a maudit la famille, ça ce n'est plus ton affaire. When they say one grandparent was angry and then he cursed the family, that's no longer your issue. You should not worry about maman, that. Les gens l'avaient insulté et il a maudit tout le monde. There was one mama who sont maudits. People got her angry. Pour toi, ça finit. Ça finit. For you, it is finished right now. Il y a certaines personnes, on a délégué un démon, tu bouges, il bouge, il te suit partout, et partout, tu as les problèmes. There are some people, a demon has been delegated to you, as soon as you move, it moves. Tu entres quelque part, il entre avec toi. It goes in where you go in. Aucune relation ne porte du fruit. No relationship bears fruit. Partout, on ne veut pas te voir. Whatever, they don't want to see you. Il y a un démon qui te suit. There is a demon following you. Il s'en va aujourd'hui. It's ended today. No. Prenez. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je ne suis pas concerné par ces alliances. That I'm not concerned by these covenants. Je les déchire. I destroy them. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je détruis. I destroy. Toute alliance. Every covenant. Des ancêtres. Of ancestors. Toute alliance. Every covenant. Tout pacte. Every pact. J'annule tout engagement. I cancel every commitment. Écrit ou verbal. Written or verbal. Contre la famille. Against my family. Et contre moi. And against me. Ça n'existe plus. It no longer exists. Par le pouvoir du sang de Jésus. By the power of the blood of Jesus. Je détruis toutes I ces choses. Destroy all of them. Qui m'ont gardé moi et ma famille. Which put my family dans l'esclavage. Under slavery. Je chasse tous ces esprits. I cast away all those spirits. Qui nous suivent partout. Which follow us everywhere. Au point où rien ne peut réussir. So that nothing works for us. Je les chasse. I cast them out. Je déchire d'abord les alliances. Je chasse les esprits derrière. And I cast away the spirits. J'annule les engagements. I cast the commitments. Écrits ou verbaux. Written or verbal. J'annule. I cancel les engagements. All commitments. Du monde physique. In a physical et j'annule world. Les engagements du monde spirituel. And the commitments in a spiritual world. Partout. Everywhere. Où un nom, mon nom ou le nom des membres de ma famille. Where my name or the name of a family member. A été cité. Was cited. J'annule cela. I cancel it. Et j'efface tous ces noms. And I cancel the name. Des livres des sorciers. From the books of sorcerers. J'efface tous ces noms. I wipe them away. Des livres magiques. From magic books. J'efface tous ces noms. I erase them. Des livres d'incantation. From temptation books. Partout où ils ont été écrits. Everywhere they were written. Je les détruis. I destroy them. Et je proclame. And I proclaim. Que les actes d'envoûtement. That works. Sont nuls. And nothing. Maintenant, continue à prier. Now continue to pray. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis que toutes les maladies. Say every sickness. Qui provient de ces alliances. That comes from those covenants. Disparaissent. They disappear.
disparaît de ma vie. Disparaît de la famille. Disappear from the family. Que les maladies héréditaires soient brisées. The hereditary sicknesses be broken. Que la chaîne soit brisée. May the chains be broken. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continue à prier. Continue to pray. Dieu au nom de Jésus, lève ta main droite. Dieu au nom de Jésus, je détruis les liens de pauvreté qui proviennent de ces alliances, qui proviennent de ces alliances mensongères. Je proclame que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer, pour détruire. Puis je proclame qu'il n'y a pas de bon diable, il n'y a pas un diable qui protège. There's no devil that protects. Un diable qui donne la richesse. There's no devil that gives riches. Je proclame. So I proclaim que ces démons, ces idoles, ces esprits de reptiles, de serpents, reptiles, sont venus pour voler nos richesses. Ils sont venus pour voler. Et ils ont causé la mort de beaucoup de frères de la famille. To ce sont les mauvais esprits. Si je proclame le jugement sur eux. So I proclaim et ce sont les mauvais esprits. Against all the spirits. Ce sont des mauvais esprits. Against the spirits. Et je lève la main. And I raise my hand. D'un commun accord avec mes frères. In one accord with the brethren. Pour juger les œuvres. To judge their works. Et pour les chasser de la famille. And to cast them out from the family. Je les chasse de ma vie. I cast them from my life. Je les chasse de la famille. I cast them from my family. Je les chasse de ma vie. I cast them from my life. Je les chasse de la famille. I cast them from my family. Continue à prier. Urabakashurubakara shaba gumbara kasanda ramakara baltara masada uridal basinde kere baltara masama. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Quand Salomon a offert des sacrifices, when Solomon offered a sacrifice, Dieu lui a demandé, God asked him, qu'est-ce que tu veux que je te donne? What do you want me to give you? Demande à Dieu 10 choses bien claires. Ask God for 10 things, very precise. Tu écris la date, tu dis ce jour. Write down the date and say on this day. 11 juin. 11th of July. Voici ce que j'ai demandé au Seigneur. This is what I asked from the Lord. Tu auras tout. Ça doit être quelque chose qui t'enlève le sommeil. It must be something that gives you sleepless nights. Et il n'y a aucun homme pour t'aider. And there's no one who can help you. Disons merci au Seigneur. Let us tell the Lord, thank you. Maintenant, vous savez, les démons sont des rebelles. You know, demons are rebels. Ils se disent qu'ils vont d'abord rester pour voir si on va partir. Je proclame. I proclaim. Qu'aucun démon ne reste ici. That no demon will stay here. Esprit méchant. Wicked spirit. Le Seigneur a déclaré que vous êtes vaincu. The Lord has declared that you have been overcome. Que tout démon s'en aille. Let every demon go out. Va! Out! Tout de suite! Right now! Va! Out! Va-t'en vite au nom de Jésus. Quickly in the name of Jesus Christ. Nous désorganisons votre royaume. We disorganize your kingdom. Sors et va-t'en. Out and sors et va-t'en. Out and sors et va-t'en. Out and be gone. Tous les démons. All demons. Qui vient des alliances, which comes from covenants. Vous êtes vaincus. You are overcome. Nous refusons de vous adorer. We refuse to worship you. Et nous vous chassons. And we cast you out. Non seulement nous refusons de vous adorer. We refuse to worship. Nous vous chassons. We cast you out. Nous vous chassons. We cast you out. Out, be gone, be gone.
Partez, Be gone. Vous ne serez pas adoré. You will not be worshipped. Mais vous devez partir. And you must go. Vous ne serez pas adoré. You will not be worshipped. Et nous vous chassons. And we cast you out. Vous serez sans repos. You will be without rest. Vous serez sans repos. You will be without rest. Nous vous condamnons. We condemn you. À errer ça et là. To stray without. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Partez. Be gone. 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 Surga. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout démon. Every demon. Qui a suivi quelqu'un. Which has followed someone. Après une attaque dans la sorcellerie. After an attack in witchcraft. Tes maîtres sont partis. Your masters have gone. Ils t'ont laissé. They left you. Pour faire un mauvais travail. To do an evil work. Tu es jugé. You are just. Tu es jugé. You are just. Tu dois partir. You must go. Tu dois partir. You must go. Ton travail est fini. Your work is ton ended. Ton travail est fini. Your work is ended. Tu dois partir. You must go. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. Toi, démon. You demon. Qu'on a envoyé. Who was sent. Pour causer une maladie. To cause an illness. Tu as été envoyé. You were sent. Pour causer une maladie. To cause an illness. Tu es jugé. Just. Tes œuvres sont mauvaises. Your works are evil. Arrête et va-t'en. Stop and go et away. Tu pars avec ta maladie. Take your sickness away. Va-t'en, va vite. Be gone quickly. Va-t'en maintenant. Go. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Esprit méchant. Wicked spirit. Posté. Pour entretenir la pauvreté. To manage poverty. Posté. Pour entretenir la pauvreté. To manage poverty. La colère de Dieu sur toi. Anger la colère de Dieu sur toi. The wrath of God upon you. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Tu es venu. You came. Tu as envoyé la pauvreté. You brought in poverty. La pauvreté. Poverty. La pauvreté. Poverty. Prends ta pauvreté. Take your poverty. Et va. And go. Va-t'en. Be gone. 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 Au nom de Christ. Nous brisons tes œuvres. We break your works. Nous brisons tes œuvres. We break your works. Nous vous désorganisons. We disorganize you. Nous jugeons les renforts. We judge nous jugeons les renforts. We judge nous brisons les résistances. We break your resistance. Esprit de pauvreté. Spirit of poverty. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. We go in the name of Jesus. Et toi, démon. And you, demon. Ennemi de mariage. Enemy of marriages. Toi qui divises les foyers. You will divide our homes. Toi qui divises les foyers. You will divide homes. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout démon. You, demon. Tout esprit. Every spirit. Appelé mari de nuit. Call spirit husband. Tout esprit. Every spirit.
appelé mari de nuit. Called spirit husband. Tous les mariages sont annulés. All the marriages have been canceled. Tous les mariages démoniaques. All demonic marriages. Annulés, annulés, annulés. Canceled, canceled. Annulés, annulés, annulés. Canceled, canceled. Annulés, annulés, annulés. Canceled, canceled, canceled. Dehors, out, 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 out. Marie de nuit, femme de nuit. Spiritual dehors. Leave out. Dehors, out, out. Le jugement de Dieu. Judgment of God. 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 Urbaka surbaka sarbaka surbaka surbaka. Urbaka surbaka 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 surbaka. Urbaka surbaka surbaka surbaka. Urbaka surbaka surbaka. Out. Out. Marie de nuit, femme de nuit, marie de nuit. Spiritual husband, spiritual wife. Marie de nuit, femme de nuit. Spiritual husband, spiritual wife. Marie de nuit, femme de nuit. Spiritual husband, spiritual wife. Femme de nuit. Down, out, out, down, out. Down. They put you in a coffin. Tu es délivré, tu es délivré. You're delivered, you're delivered. Brise, casse ce cœur. Break and we crush the coffin. Que ton âme sorte de la prison. Come out from that coffin, from that prison. Que ton âme sorte de la prison. May your soul come out from that prison. Sors de la prison. Oh, come out from the prison. Et sois guéri de toute maladie. And be healed from every sickness. Sors de cette prison. Come out from that prison. Et sois guéri de toute maladie. And be healed from every sickness. Si c'est une tombe. If it's a grave. Si on t'a enterré. If you've been buried. Que la tombe s'ouvre. May the grave open up. Que la tombe s'ouvre. May the grave open up. Que ton âme sorte de la prison. And may your soul come out from the prison. Et que tous les blocages soient brisés. And may all the blockages be broken. Si c'est dans une chambre. If it's in a room. Qu'on t'a enfermé. That you were closed. Même up. Si ce sont les verrous de fer. Even if it's bars of iron. Nous les brisons. We break them. Nous les cassons. We shatter them. Nous les cassons. We shatter them. Les brisons. We break them. Sors. Out. Tu es libre. Be free. Tu es libre. Be free. Tu es libre. Be free. Tu es libre. You're free. Tu es libre. You're free. Sors de cette prison. Out of nous that prison. Brisons cette prison. We break that nous prison. La cassons. Nous la cassons. We shatter. Nous la détruisons. We destroy it. Kalabashara, kalabashara. Levons-nous. Let us stand, please. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis à Dieu. Tell God. Moi, j'ai demandé 10 choses, mais toi, tu sais ce que tu dois me donner comme cadeau. You know what you give me as a gift. Je veux le cadeau. I want the gift. Parce que l'heure est arrivée. Because the hour has come. Nous allons nous séparer. Nous allons nous disperser. We are going to leave. Donne-moi un cadeau. Give me a gift. Continue à prier. Continue to pray. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Crois que Dieu t'a donné. Believe that God has given you. Crois aussi que tu as reçu. Also believe that you have received. Ne doute pas. Do not doubt.
C'est tout ce que Dieu te demande. That's all what God is asking from you. Ne doute pas. Do not doubt. Vous verrez la suite. And you see what will follow. Offrande d'acclamation. You clap offering. Les instruments de victoire.